Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui les amis, toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui je pense va être assez courte, mais merci aux vraies personnes qui vont la regarder jusqu'au bout. C'est très très important ce que je vais vous dire. Donc merci de l'écouter jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à commenter et surtout à aller dans la description pour vous abonner à mon compte Twitch. Merci. Bon, et eh bien les amis, on est parti sur Call of Duty Vanguard. Alors, petite précision, je suis en partie personnalisé avec des bots, tout simplement parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Et pour me concentrer au niveau du gameplay et au niveau du commentary, je pensais que c'était la meilleure solution au lieu que je m'énerve en partie publique. Donc, les amis, comme vous avez pu le voir, je suis quasiment. Enfin, je suis. Quasiment, ouais, plus du tout actif sur YouTube. Je ne sors plus de vidéos, je ne fais plus de live, tout simplement parce que je suis repassé à 100% sur Twitch. Donc c'est pour ça qu'en tout début de vidéo, je vous ai dit d'aller dans la description pour vous follow tout simplement un maximum à ma chaîne Twitch. Je suis très 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 actif sur Twitch et je le serai énormément maintenant. Tout simplement parce que pour le moment, je vais arrêter YouTube. Je vais vous expliquer vite fait pourquoi, mais je pense que vous vous en doutez un petit peu pour les personnes qui me suivent, un minimum, on va dire. Tout simplement parce que YouTube est pollué par rapport au live ou même à des vidéos arnaques au niveau du jeu vidéo. Alors, il y a énormément d'escroqueries sur YouTube, donc en live ou même en vidéo. Et c'est ce qui me dégoûte énormément parce que YouTube ne bannit pas les chaînes qui font des escroqueries. Et franchement, ça me dégoûte parce qu'au final, les gens qui font des escroqueries, je vais parler plus précisément pour les personnes qui font des streams, ont énormément de personnes sur leur live alors que il y a des streamers, des petits streamers sur YouTube qui malheureusement n'arrivent pas à avoir du monde sur leur live. Et pourtant, c'est des personnes sérieuses qui ne font pas d'escroquerie et qui veulent juste partager leur passion, discuter un petit peu avec des viewers, etc. Et malheureusement, ils ne peuvent pas parce que toutes les personnes sont sur des lives escroqueries, des lives entièrement putaclic aussi, où des personnes promettent plein de choses et au final, c'est même pas forcément des streams en fait, c'est des personnes qui lancent des lives, mais c'est une vidéo qui tourne en boucle et ça ramène énormément de monde. Donc des personnes qui peuvent même lancer je ne sais pas combien de lives à la fois. Donc des chaînes qui lancent au moins 10 lives en même temps avec du putaclic, avec des escroqueries. Et franchement, ça fait quasiment un an que certaines personnes le font et qui ne sont malheureusement pas bannies de YouTube. Donc c'est pour ça qu'au final, pour le moment, j'arrête YouTube. Et si vous voulez me retrouver pour tout simplement passer des bons petits moments avec moi, c'est sur Twitch. Donc tout sera en description, les amis. Donc merci aux personnes qui me suivront toujours sur Twitch. Franchement. Et pensez bien à activer la petite cloche de notif sur Twitch pour être au courant quand est-ce que je stream. La plupart du temps, je vais stream quasiment tous les soirs, ou sinon ça va être une à deux fois, une fois tous les deux jours, on va dire. Mais je serai très très actif sur Twitch. Il y a énormément de bonnes choses au final sur Twitch. Au moins, c'est entièrement du jeu vidéo. Il n'y a pas d'escroquerie comme il y a sur YouTube. C'est complètement l'inverse et je prends beaucoup plus de plaisir à stream sur Twitch que sur YouTube. Donc merci aux personnes vraiment qui me suivront pour mon aventure Twitch. Voilà, c'était une simple petite vidéo comme ça. Alors pour le moment, c'est pas prévu du tout que je recommence à faire des vidéos sur YouTube. Peut-être qu'un jour, je reprendrai YouTube, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas du tout prévu et j'ai vraiment envie de me forger une petite communauté sur Twitch parce que franchement, la plateforme est beaucoup mieux au niveau des streams et au niveau de ce que je veux faire. Donc voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et puis suivez-moi aussi, bien entendu, sur Instagram si jamais vous n'avez pas Twitch. Tout sera en description, mais merci, un grand merci à toutes les personnes qui vont me suivre pour mon aventure Twitch. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine, les amis. Salut!